Alors le bateau, ses particularités, c'est un vieux plan qui a une trentaine d'années, qui a été construit pour la Transpac par un architecte américain qui avait signé un mini transat qui s'appelait American Express et qui à l'époque avait fait mouche. Alors le bateau a de belles lignes. Maintenant, il mérite quand même du monde pour le faire avancer parce qu'il est assez costaud. L'équipage, il est simple. Il y a Hervé Moal qui est connu ici sur. C'est un professionnel de la mer qui s'occupe de voile depuis de bien nombreuses années. Florent Piton, qui est un autre professionnel de la mer, même s'il est plus axé sur la pêche à l'heure actuelle, c'est un gars qui a navigué beaucoup et en régate et en croisière et un peu partout. On a Olivia, qui est très dynamique. Jean-Michel Raffin, qui est un vieux routier de la mer. Et en dernier, nous avons Michel Tavernier, qui est un ami à Hervé, que je ne connaissais pas du tout, mais tous ces gens-là, au coup d'œil sur le bateau, on sent que c'est des gens qui sont à l'aise et qui vont vite trouver leur place tranquillement, quoi. Ça serait trop prétentieux de notre part de dire qu'on va gagner sur un équipage de dernière minute où les gens sont bien entraînés, d'autres équipages sont plus assidus dans les entraînements. Mais néanmoins, je pense qu'on va quand même titiller un peu les gens, quoi.